Bon, tu sais, c'est le mini PC là que je me suis acheté. Je te laisse tirer sur le machin. Il faut que tu devines le prix. De toute façon, il y en a pour 30 secondes, on branche juste l'écran dessus et puis c'est réglé. Ça va remplacer ton PC gamer, ça c'est sûr. Non, les perfs seront pas les mêmes quand même. Et voilà. Bon, normalement, il fait la 4K. Hein. Ouais, vas-y, allume. Il est sous Windows 11. Donc voilà, utilise-le comme si tu utilisais un PC classique. Bon, déjà, au niveau vitesse du navigateur, fais une recherche comme tu veux. On voit 3 GHz. Alors après, c'est un peu menteur parce que c'est 4 cœurs cadencés à 1,6 GHz. Aucun bruit, parce qu'il faut savoir que les premières générations de mini-PC comme ça étaient réputées pour faire du bruit. Notamment, il y a un léger courant d'air, très très léger, et ils étaient réputés aussi pour chauffer, des vrais grille-pains. Donc, bah, sans surprise, n'est pas fait pour le gaming ou autre. Par contre, tu vois, il est à 102% pour l'utilisation à l'usage classique, tu vois, genre usage type bureautique. C'est ça le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de carte graphique. Mais le reste, en fait. T'as un score 3D qui est très très faible, c'est ça? C'est ok, bah en fait, le processeur n'est pas fait pour faire grand chose. Il faudrait tester Minecraft pour voir, parce que Minecraft pourrait s'en sortir, mais dès que tu vas sur des jeux un peu plus gourmands, ouais. Forcément, il faut installer Java. Alors, on va lancer Minecraft, on va voir ce que ça donne. Donc là, le processeur est en train de tourner à plein régime. Pour le moment, ça fonctionne. Bon, sans surprise, ça rame un petit peu. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Ça rame pas mal. Et c'est normal. Après là, par exemple, si on modifie les options graphiques, ça devrait être un petit peu mieux. Si on passe les graphismes en rapide, là, tout ça, ça devrait être beaucoup mieux déjà. Voilà, là, on récupère une fluidité, donc on peut jouer à Minecraft quand même. Alors du coup, t'estimes à combien le coût? Allez, je montre à quoi, 300, 350 moins que ça, coûte moins cher. Ah ouais, ouais, tu dirais combien? De 260, 250 moins. Encore? Ouais, moins cher. 200 moins cher. 150 moins cher. 100 un petit peu plus. 125. Il a coûté 135 euros. Et ben, 135 euros avec les frais de port, hein, bien sûr. Et le Windows 11, donc franchement, c'est ultra correct pour le prix.